Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau let's play sur World War Jackar. Je suis super content, j'ai enfin reçu mon petit Wolfenstein 2 avec la petite version collector, petite figurine. On va bien s'amuser, c'est moi qui vous le dis. Allez, on va lancer direct en nouvelle partie. Vous faites pas gaffe à ça, j'ai fait un petit peu pour voir un petit peu faire juste quelques tests. On va tout relancer. Oh, je suis la mort incarnée parce qu'on ne peut pas mettre en Mindeben pour l'instant. C'est parti. Torture de rêver de ça. De se réveiller. Je préviens, on va jouer en français, même si la voix de Blasco a changé, on va la garder parce que Bruce Willis quand même reste dans mon cœur. Soldat Wyatt, merci. A tout à l'heure, le capitaine. Bon, ça fait des années qu'on n'a pas été aussi près du général Strasse. On élimine le boucher, on paralyse la machine de guerre des Fritz. C'est pas vrai, c'est lui! C'est le boucher! Et dites-moi, choisis, regardez en direction de celui que vous voulez que je dissèque. Je croyais avoir tout vu, mais je ne connaissais pas la vraie cruauté jusqu'à maintenant. Oh, vite assez. Bien, bon travail, Blaskovic. Allez, viens, on fout le camp d'ici! J'aperçois quelqu'un. Elle s'appelle Anya. Elle prend bien soin de moi. On est en 60. Les États-Unis, ils se sont rendus il y a 12 ans maintenant, après les bombardements nazis sur leur pays. Dans un train pour Berlin. Très beau visage à rien. Où sont les combattants de la résistance? B.J. Blaskovic. Tu es donc en vie, Caroline? En vie, mais obligée de chier dans un putain de sac. Ils pensent que la guerre est finie, que nous sommes faibles, que nous n'avons pas le cran de nous opposer à eux. Et comme toujours, ils sont dans... Cette Ross, selon les registres officiels, il a été détenu puis envoyé dans un camp de travail. C'est vous, cette Ross? Je ne suis pas décidé. Que savez-vous de cette Ross? C'est que la tatiche. Désolé, je suis encore malade. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, l'ami. Moi, c'est bon. William J. Blaskovic, c'est dans ta toile. Personne n'est qui encore. Max Ross, c'est réciproque, Max. Max n'aime pas la violence et il ne veut pas qu'il y ait de blessés. La Dacia Red est une société mystique antique. Nous inventons des choses. La technologie mise au point par la Dacia Red a des siècles d'avance sur tout ce que vous avez pu voir. Ou imaginer. Ravi de te retrouver, Blaskovic. C'est votre vieille amie Frau Engel qui mène l'attaque. Le boucher doit l'avoir promue pour sa méticulosité dans le camp. Hé, hey, capitaine, vous avez volé le marteau d'Eva. C'est le sous-marin le plus puissant de toute cette satanée flotte allemande. Tu rentres dans la base le plus vite possible. On raye le boucher de la surface de la Terre. Le boucher. J'aurais dû tuer Stipe il y a longtemps. Je vous ai pris pour être debout. Capitaine, on est en position. Le canon nucléaire est armé. Permission de tirer? Et voilà la fin de Wolfenstein New Order. J'ai de la soupe et du porridge. Qu'est-ce que tu préférerais? Pour voir un peu l'enfance Blasco. Allez, capitaine, choisissez pour moi. Alors, on va choisir Wyatt. Fergus pour sauver Wyatt. Ce sera tout simplement la suite de ce qu'on a fait. Capitaine Blaskovic. Allez, on sauve Wyatt. Je suis heureux d'avoir terminé le travail pour lequel on m'a envoyé sur Terre.
entouré de gens qui m'aiment. Alors, au cas où, je vais faire énormément d'épisodes d'affilée, parce que j'ai envie de jouer ce soir. Une vague de chaleur m'envahit. On dirait que le ciel est en feu. Caroline, il meurt! Appuyez! Elle devient tout bleue! Bombay, tu me suis bien dans le hangar. HP à 90. J'entends la faucheuse. Elle hurle mon nom. Il devient tout bleu. Salut, ma grande. Il devient tout bleu. Désolé de t'avoir fait attendre. Laisse-moi te montrer quelque chose, Billy. Mon père m'a demandé de donner ceci à mon fils. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi elle l'appelle Billy. Si, un jour j'en avais un. C'est une alliance. Elle est dans notre famille depuis 8 générations. Mmh, gentil chien. Tu te rends compte, mon Billy? C'est ce qu'on appelle un bijou de famille. Quand tu rencontreras quelqu'un de spécial, tu la lui mettras au doigt. Cette bague est d'une grande valeur. Ne parle pas de l'anneau à ton père. Il n'est pas au courant. Tu le connais, il le prendrait sûrement. Mère, suis-je acquitté? Et j'étais juste et bon. Assez bon pour être admis au paradis. T'as aucune idée de ce que c'est que souffrir comme moi je souffre. Oh non, mère. C'est l'enfer qui m'attend. Tirez, tirez, Bombay. Je vais devoir couper la plus grande partie de ses intestins. Faites ce qu'il faut, cette pitié. Reste avec nous, Blazkowicz. Sors vainqueur de ce combat. Et alors je te promets, je te jure. Il est là! Faites venir quiconque peut donner du sang! Vite! Écoutez tous, il nous faut des donneurs de sang immédiatement! Faites la queue à l'infirmerie, tout de suite! Ah. Il me faut de la lumière! Reste là sans un bruit. Sophia, il est là? Non. Dégage, Sophia! Il ne mérite pas ça! Tu le sais bien! Te fous pas de ma gueule! Je l'ai vu avec elle! Il est jeune. Il l'aime bien. Il ne comprend pas encore. Il sait parfaitement bien qu'il doit pas perdre son temps avec une putain de sale négresse. Je te laisse. Ça parle mal tout. Plus jamais. Tu n'as aucune idée de ce que j'endure. Alors, au cas où vous n'auriez pas vu, c'est en 1919. Je me carcasse tous les jours. Je me fais grappiller ma thune à droite et à gauche. Je me fais humilier juste pour garder mes affaires à flot. Je les ai vus tous les deux, Sophie, à bon sang, à se faire des papouilles sous le peuplier. C'est pas tolérable. J'ai travaillé beaucoup trop dur et bien trop longtemps pour perdre ma réputation parce que mon petit s'est amouraché d'une négresse. Rip. On peut pas vivre comme ça. J'arrive pas à croire qu'il s'appelle Rip. Je m'occupe. Et des champs. Oh. Tu n'es pas le seul à souffrir. Je vois plus le calendrier qu'on avait vu tout à l'heure. Tu aurais dû mettre la clé sous la porte comme mon père te l'a dit. On a des dettes énormes. 3 mois de retard pour l'électricité. Ah, c'est un autre enfant, je crois. Du fait que tu as perdu tout l'argent que mon père avait investi. Quoique, je sais pas. Tu joues avec le feu, Sophia. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis pas vraiment le genre de gars avec qui tu peux te la ramener. Et tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. J'ai épousé un homme qui n'aurait jamais laissé sa famille avoir faim. Je jure que je ne te laisserai plus jamais toucher un cheveu de mon fils. Ferme ton caquet ou c'est moi qui te le ferme. Plus jamais. C'est quoi votre problème à vous, les juifs? Vous avez réponse à tout, hein? Quand je t'ai épousé, je pensais que ton père me servirait de tremplin. Mais en fin de compte, t'es qu'un boulet. Tu colles ton nez dans mes affaires au lieu de te mêler les tiennes. Si t'es pas capable d'élever notre fils, eh ben je vais m'en charger. Va-t'en. Espèce de salade.
Oh putain, je déteste ça. Je déteste quand on fait du mal aux animaux, c'est une horreur. Tu me donnes envie de... Vas-y, continue, petite merde. C'est tout ce que t'as. Ah non, c'est un autre truc en fait, on était pas sur le lit. Non, casse-toi. Non. T'es tellement faible. Ils vont te chercher des poux. Ils vont te briser. Ils te font bouffer de la terre. Et qu'est-ce que tu feras? Tu peux même pas te défendre. Mais au moins, je peux te montrer comment finir avec ta vie. Respire doucement, Blazkowicz. Récupère tes forces. De grandes choses se préparent. Le vent va tourner. Le cercle de Kreisso se lève. Et j'aurai besoin de toi à mes côtés quand nous frapperons. Tu sens les coups de pied? Oui, Bessie, t'es une gentille fifille. Tu peux gémir autant que tu veux, t'iras nulle part. Dans la vie, oh putain, on prend des décisions. La deuxième fois que je vois ça, c'est... Non, je supporte pas. Il faut punir les animaux qui nous entourent. C'est tuer ou être tué. Les vieux et les faibles sont condamnés. Toute cette racaille, ces ordures. Ces cancres-là qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour dérober à l'homme blanc tout ce qu'il a gagné. C'est à nous de remettre de l'ordre dans tout ça. C'est à toi. Oh, je mets très bien une basse sauce à lui. Allez, comme ça. Oh, je vais certainement pas tirer sur le chien. Ah, certainement pas. Oh, je veux bien tirer, mais pas sur le chien. Allez, hors de question. T'es faible. Comme ta mère. Ah, j'ai envie de lui mettre une balle. Souviens-toi, mon garçon. On voit la tronche de Blasco quand il est tout petit. Allez, ça va aller. On va pouvoir tuer des nazis. J'ai l'impression que le son est un petit peu fort. Je vais baisser un petit peu. Qui c'est ça? C'est moi? C'est moi ça? Les vieux et les faibles sont condamnés. Là, appuie sur G pour les indices. Je vais juste baisser le son. Juste un instant. On va le mettre, voici à 35. Ou à 40 plutôt, 40. Pas le baisser trop non plus. Voilà. C'est bon, ça va sauvegarder, ça va sauvegarder. Ok, cool. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Comme dans le premier, on va explorer un peu. Essayer de ne rien louper. Bon, là déjà, il n'y a rien. Ok. C'est vous. Prenez ça. Ils viennent pour vous. Et merde! Ils sont là! Non, faut que je fasse gaffe, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai... Maintenant, sale nazi. Tu le reprendras pas. Voilà, donc j'ai testé tout à l'heure. Ouh, un truc. Une illustration. Ouais. Ferme et infirmerie du marteau d'Eva. Ok. Ok, donc. Putain. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai testé tout à l'heure dans la même difficulté et c'est putain de dur. Tu te fais démonter la tronche. Et on a que 50 HP.
voyez. On a déjà plus de 14 AP, j'ai été touché deux fois. Fais gaffe. Il y en a qui font... Je sais plus exactement ce qui va se passer là. Récupère un petit peu d'armure. C'est bon. Alors, on va regarder dans les pièces annexes. Hein. Un peu ce qu'on peut trouver. Des munitions, c'est pas mal. Ok, rien d'autre. Des munitions encore. Ok, on avance. Voilà. J'arrive. Oui, on arrive. Tu te fais pas. Tu te fais pas attendre. Ah, je sais où est-ce que, je sais comment il faut y aller. C'est un petit peu plus loin. J'ai fait que ce niveau. Je tiens à le dire, j'ai rien fait d'autre. Et je l'ai même pas terminé. Ouais, là, c'est normal. Ouais, boum. On récupère un peu d'armure. De HP toujours. Pas de soucis, c'est. Pas trop, non. Ça, on récupère l'armure, voilà. Vite, vite, vite. Voilà. Un, deux, trois. En vie de Zen, tas de Drake. Monsieur Blazkowicz, je suis très heureux de vous voir réveillé, mais beaucoup moins Anya, de vous voir debout. Où est-elle? La dernière fois que je l'ai vue, elle était avec Caroline en train de défendre l'ascenseur du kiosque du sous-marin. Montrez-moi la direction, Seth. Ingle, vous savez que vous avez passé 5 mois alité. Votre corps est brisé. Vous comprenez? Vos reins ne fonctionnent plus. Vous allez avoir des problèmes pour uriner, utiliser votre schmeckle et pour plein d'autres... Schmeckle, je pense savoir ce que ça veut dire. C'est Frau Engel. Elle vous suit à la trace, elle a... remuer ciel et terre, et aujourd'hui elle vous a trouvé. Les nazis sont entrés dans le sous-marin. Il y a beaucoup de blessés et de morts. J'ai été séparé des autres. Je dois y aller. Non. Non. Regardez les nazis sur la droite, c'est marrant. Je vous ai dit non. Aidez-moi à trouver cet ascenseur. Vous n'êtes qu'un hoax. Un vrai hoax. Bon, écoutez. Il y a des tas de nazis entre ici et l'ascenseur. Mais j'ai posé plusieurs pièges et je n'ai pas eu le temps de les activer. Regardez, c'est une carte qui indique où se trouvent les pièges. Attention. Boum. Ok, ok. Attention. S'il vous plaît, essayez de ne pas vous faire tuer. C'est parti. Vous vous trompez. Ce n'est pas vous qui me traquez, Frau Engel. C'est plutôt moi qui vous traque. Ok, bon allez écoutez les gens, ça fait déjà 20 minutes, hein. Bon il n'y a que l'intro, mais vous en faites pas, demain, donc samedi et dimanche, il y aura quand même du Wolfenstein, parce que j'ai vraiment beaucoup envie d'y jouer, et comme ça nous l'explique, je me suis dit, allez pourquoi pas, on va les faire, on va le garder. Allez, j'espère que ça vous aura plu, on va se retrouver demain du coup pour la suite. Allez, bisous tout le monde.